Peut-être aussi des appels des flancs, hein, avec Bezos. Oh, Bezos ! Oh, Bezos ! Eh bien, voilà, je vous en parlais, Olivier, qu'il allait se passer quelque chose ce soir. Roman Bezos, il y avait un ballon qui flottait comme cela. Il y en a un qui a cru, c'est l'Ukrainien. 0-1 pour la Gantoise qui, pour l'instant... Vadis, il est pas mal. Il a amorti un petit peu cette passe et là, ils sont repartis. C'est du 5 contre 4. Tissou Dali, Yaremchouk va faire le dédoublement sur le flanc gauche. Tissou Dali, c'est peut-être le but de l'Europe pour Tariq Tissou Dali qui est monté il y a 2 minutes. Oli, ouais, ça fait changement, mal. Gagnant. Ce sont les qualités de Tariq Tissou. Ce penalty à la droite de Bollat, pour l'instant c'est du 100% quand il les a tirés dans cette zone là. Il a eu un raté quand il a botté cela à gauche du gardien. Il a tout le poids sur ses épaules. Dreuil face à Bollat, c'est en plein milieu. Il a pris des risques, mais c'est dedans. Oui, parce que j'ai l'impression que Bollat n'est vraiment pas loin. On va revoir ça dans un instant, mais Ferdi Dreuil. C'est vrai qu'il a été un petit peu sous le feu de la critique là, ces dernières semaines. Attention à cette percée N'Goy, bien fait. Même si la touche revient à Gandendriech. Donc c'est le match d'adieu également pour cette équipe d'Ostend. Il y a le bataille, c'est pas mal fait du tout. Il a frappé. Et le but d'ouverture pour son match de fermeture, Vandendriech, qui va quitter Ostend de la plus belle manière qui soit, s'est passé un petit peu trop vite. Il aime bien partir un petit peu. Leifis. Elle est bonne. Avec Siké. C'est le seul qui proposait Siké. Oh, elle est bien faite, bien faite. Et là aussi, c'est joli. Ça aussi, c'est splendide. Et bien voilà Malik Wisha qu'on trouvait remuant là maintenant. Mais franchement, j'associerais véritablement Leifis et Siké dans la confection de ce but remarquable. Bien fait. Fourier, bien joué. Ça, c'est pas mal non plus. Ah, il y avait de l'idée. TAT avait bien lu. Vandendriech. Allez, j'espère qu'on est reparti sur les mêmes bases là dans cette seconde période. Oh, quelle est bonne cette balle avec Bonnen. Ah oui. Ah oui. Le but de Bonnen. Ah, c'est dommage pour Gilet. Il s'est fait avoir là. Sur son premier poteau, c'était pour lui, c'est pour sa pomme. Il avait fait un super barré en première période. Mais là, avec son expérience, il ne peut pas se faire avoir. Okay, on ne sait jamais aussi sur le coup de pied arrêté avec un joueur comme Hermans par exemple. N'en parlons pas trop parce que tout le monde va aller voir le match puisque tout est disponible. Non, on va quand même rester ici au Standard parce que là, c'est une belle occasion pour le Stand avec Vandendriech. Oh. Mais c'est pas possible, Vandendriech. Il faut qu'il le garde à Ostend. Ils sont en train de perdre peut-être leur joueur. Bruges a terminé avec 39% de possession face au Sporting Anderlechtois. C'est son plus faible total de la saison et pourtant, il y a eu une impression de domination du club quand même jeudi malgré le 3-3. Preciado. Preciado toujours. Oh, la talonnade est à la mode. Parfait. Et le but. C'est parfait. Voilà les réservistes qui font la différence. C'est Thomas. On en parlait, qui inscrit son deuxième but de la saison, le premier des playoffs pour lui. Et un assist pour Preciado, l'équatorien. Une bonne passe de Kosunou. C'est le premier ballon pour Stefano Denswil. Mata, voilà tous les réservistes en action. Réserviste du jour, évidemment, Hans Van Aken. C'est un très bon ballon. Vormer. Vormer attend. Vormer conclut. Vormer égalise. Un but partout. Limpide ce mouvement brugeois. Un but partout à la 79e minute. Je pense que c'est mérité malgré tout. Il faut battre Ethan Horvat. Cyril Dessers. Peut-être pour un nouveau but. Peut-être pour une nouvelle victoire pour le Racing Genk. En attendant, c'est provisoirement 1-2 à 5 minutes de la fin pour le Racing. Où est-ce qu'il va là? Allez, allez Marc, non.